Et l'on termine avec le Rapide de Vienne face à Munich 1860, c'était hier soir. Et un pénalty est accordé au Rapide de Vienne par M. Alain Sars, l'arbitre français, qui va exclure le défenseur de Munich qui a touché ce ballon de la main. Pénalty donc en faveur du Rapide de Vienne à la 45e minute. Pénalty transformé par Stöger. Le Rapide mène 1-0. En seconde période, le Rapide de Vienne est toujours dominateur avec une tentative de shuttle, le capitaine autrichien. Le Rapide mène 2-0 face aux Allemands de Munich 1860, puis un troisième but avec ce pied gauche superbe de Pengsa à 9 minutes de la fin. Victoire des Autrichiens, 3-0 face à Munich 1860.